Hey, tu ressembles pas vraiment à un milicien. Non mec, hein. Je m'appelle Wade. Wade Taylor, tu peux m'appeler Wade. Deacon St. John. Écoute... Oh putain! Deacon St. John? Attends, ton vieux c'était un prêcheur ou quoi? Non. La vache, ce nom de saint! Bon, tu écoute Wade. Tu vois mec? Putain, c'est un truc de ouf. Ouais. Bon alors, tu t'enroules, tu veux devenir militaire, jouer aux petits soldats et tout ça? Je sais pas, peut-être... Écoute, tu viens de rentrer du No Man's Land, vu ta tronche. Bien vu, mec, je suis rentré hier. Okay, parce que j'attends de pouvoir rencontrer le colonel ou je sais pas quoi. Je voyageais avec un groupe, mais on a été séparés. T'as pas vu quelqu'un qui ressemble à cette femme? Ouh, mais c'est un joli petit lot, je me la taperais bien, t'es pas d'accord? Ah, faut que j'y aille, mec. Il doit me chercher des poux ou un truc du genre. Bonne chance, Deacon St. John. Ah putain, ça c'est du nom. Putain, ce mec est complètement à l'ouest. Sarah lui aurait collé une mandale qui se souviendrait pas d'elle. Allez, Sarah. Allez. Où t'es, bon sang? T'es ici. Quelque part. Dans une de ses tentes, peut-être. Non, je la vois mal du côté des mécanos. Elle a jamais su différencier une clé d'un tournevis. Ok. C'est bon. Nouveau dans le coin? Moi, c'est Ava Bergstrom. Mes amis m'appellent Bergy. Deacon St. John. Ouais, je viens d'arriver. Eh bien, Deacon St. John, fais ton boulot et on s'entendra bien tous les deux. Ça te va? Oui, madame. Rien aujourd'hui? Au revoir. Allez, on s'active! Bonjour. Romy, c'est ça? Ça me regarde pas, mais j'ai l'impression que t'es un peu loin de chez toi, non? J'étais inscrite à l'école de théâtre locale. Allez, les Flighting Platypus. Bref, j'étais une étudiante étrangère. De Yokohama au Japon. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, enfin, comme vous dites, je suis loin de chez moi. Oh, d'accord. En synchro, bougez en synchro. On s'active. Au revoir. À plus tard. L'infirmerie. Vu son profil, ce serait logique qu'elle soit là, non? Non, pas ici. Tu te sens mieux? Oui, chef. Oui, sergent. Peut-être dans celle-là. Et merde, elle est pas là non plus. Elle est forcément dans celle-là. Sarah? Sarah, t'es là? Oh merde, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Non. Ça pouvait pas être aussi facile. Joli dessin. Oh. St. John, vous êtes sur cette fréquence? Le caporal Russell a dit que vous aviez une radio. Ouais, ouais. Je suis là. Retrouvez-moi aux portes. Pourquoi tu fais aucun effort? J'arrive. Qu'est-ce que tu branles? Pourquoi? Oui, sergent. On s'apprête à partir. Vous venez toujours? C'est quand vous voulez. Vous l'avez bien amélioré, à ce que je vois. Ouais, plutôt. Ouvrez les portes! Et ça donne quoi? Vous vous débrouillez? Ouais, je me débrouille. Rejoindre la milice, vous allez devoir me le prouver. Montrez que vous pouvez tenir le rythme. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On dirait qu'il y a eu un feu de forêt, mais les souches sont calcinées. Ça veut dire que les arbres ont été coupés avant de les brûler. Vous avez l'œil. La zone morte.
sert du bois pour construire nos barricades. On l'abat et brûle tout le reste. Ça nous dégage la vue au cas où nos cordes se compteraient. Et après, vous allez brûler tous les immeubles pour que les têtards et les grouilleurs aient plus d'endroit où dormir? Vous connaissez bien les mutants. Je vous l'ai dit, j'ai passé du temps dehors. Alors c'est quoi votre plan? Avec la milice, je veux dire. Vous allez tout cramer? Nous sommes en guerre, Saint John. On fera tout ce qu'il faudra pour gagner. Guerre? C'en est une, non. Vous avez vécu dans le No Man's Land. Vous avez vu les orques. Il n'y a qu'une chose qui les arrêtera. Une armée. Notre armée. Il faudra bien plus qu'une armée. On a un plan. Si le colonel vous accepte, on vous mettra au parfum. À propos de Silverlake, vous m'avez demandé s'il y avait des survivants. Vous cherchez quelqu'un? Quoi? Non, non, pas vraiment. Enfin, j'ai fait un bout de chemin avec un groupe. J'ai pensé que certains avaient peut-être atterri ici. Je pensais que vous couriez après quelqu'un. Pour une prime. Non! J'ai déjà traqué des types sur de longues distances, mais pas aussi loin. Aucune prime serait à la hauteur. Caporal, le capitaine est là. C'est fait, chef. Pensez à marquer l'emplacement. Oui, chef. Ok. Vous deux, retournez à Diamond Lake. Trouvez Taylor, c'est ça? Oui, chef. Ouais. Il doit voir le colonel. Je serai là à 8-0-0. Pardon? Jargon militaire, caporal. Vous devriez le savoir depuis le temps. Oui, chef. Allez, foutez-moi le camp. Oui, chef. Vous avez trouvé quelque chose? Depuis combien de temps? Pascal. Depuis combien de temps il était avec vous? 2 semaines, peut-être plus. Ben, il a pas chômé. Mais qu'est-ce que... Vous avez eu des soucis lors des ravitaillements? Des attaques de maraudeurs? Ouais. Ok. Il va falloir continuer à pied. À pied, pourquoi? Parce que Vasquez n'est pas venu là par hasard, et je peux pas pister depuis ma bécane. D'accord. On commence par où? Il a neigé, du coup, on peut faire une croix sur les empreintes. Venez, je veux jeter un œil à l'intérieur. Ok, je vous suis. Qu'il avait volé des rations, des munitions? Ouais. Une ration militaire. À moitié mangée. On dirait que vos hommes l'ont surpris au moment où il s'y attendait de moins. Sa moto est toujours devant. Ça veut dire qu'il est parti à pied. La ferraille. Ça peut toujours servir. Attendez, là-bas. Vous avez trouvé quoi? Le grillage a été coupé. Padrouille. Ça a été coupé récemment. Ouais, venez par ici. Hé, hey, attendez une seconde. Regardez, par là. Des traces?
Ouais, on a de la chance. Par ici. Attendez une minute. Vous avez trouvé quelque chose ? Ouais, des douilles. Elles ont servi récemment. Il s'est arrêté pour tirer sur quelque chose. Venez, par là. Attention, d'autres loups! Je les ai vus. Je t'ai eu. C'est pas trop tôt. Saloperie. C'était le dernier. Ouais. On dirait bien. Beau boulot. Je pourrais revendre tout ça. Bon, je vais jeter un œil à ce truc. Je dirais que les rations lui ont pas suffi. Ce cerf s'est pris une balle en pleine tête. Ouais, les loups ont dû entendre le coup de feu et décider de garder le cerf de Vasquez pour eux. Ouais. Le reste de la meute a débarqué de ce côté, vers l'est. Vous pensez qu'ils ont chassé Vasquez et laissé un des leurs garder la carcasse ? Ouais, c'est l'idée. Venez, on va vérifier votre théorie. Vous avez beaucoup de loups dans le coin ? Des loups pas infectés, je veux dire. On nous en signale presque tous les jours. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas de loups en Oregon. Quelques coyotes, mais pas de loups. Ils avaient été chassés par les éleveurs, les fermiers et les scieries. On dirait qu'ils font leur grand retour. Attendez, attendez une minute. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un sac à dos. C'est un des nôtres. On dirait qu'ils ont bien failli l'avoir. Et qu'il a abandonné son sac pour s'enfuir. Non, non, non. Pour gagner du temps. Il est tombé à la renverse. Il a essayé de s'enfuir, mais un loup lui a sauté dessus. C'est là que Vasquez a tiré. Deux fois. Vous pouvez déduire tout ça ? Ouais. Ouais, carrément. Franchement, j'en ai marre de cavaler et de me planquer de ces fils de pute. Vous avez déjà affronté une meute ? Ouais, c'est déjà arrivé. Faut juste rester mobile. Écoutez, si vous voulez nous rejoindre, il va falloir vous concentrer sur votre mission. On n'est pas là pour casser du mutant. Sortir dans le man's land ? Casser du mutant ? Ça va te perdre, hein ? Ok. Bon, éloignons-nous de la fosse commune. Le mauvais temps va encore en attirer plus dehors. Je crois qu'ils flairent les cadavres à plus d'un kilomètre. Au moins avec notre tactique de la terre brûlée. Quand on tombe sur ce genre de fosse, on brûle les cadavres avec le reste. Ouais, ben, je vous souhaite bon courage. J'en ai vu des centaines comme ça. Rien que dans cet état. Faut bien commencer quelque part. Bon, et maintenant ? Continuez vers l'est. Y a une route plus loin. Attendez une seconde.
Vous en pensez quoi? Quelqu'un d'autre est sur sa piste? Pas à ma connaissance. Ah bah, soit il est mort... soit il a un paquet d'amis, vous voyez, ses traces ont été effacées par des motos. Tout un tas de motos. D'accord. Ok. Voyons où ça nous mène. Vous disiez que le mauvais temps fait sortir les mutants? Ouais. Le froid, la neige, la pluie, putain, même les nuages. J'avais raison. Vous en savez un rayon sur les mutants. Quand on sera rentré au QG, j'en connais qui voudront vous parler. Ah ouais? Le colonel vous mettra au parfum si vous acceptez parmi nous. Ouais, ouais, vous m'en avez déjà parlé. C'est quelqu'un d'assez strict. Je préfère ne pas vous faire de fausses joies. Vous en faites pas pour moi. Ça m'est égal dans un sens ou dans l'autre. Hé, attendez, vous avez entendu? Ouais, ça vient du camp de bûcheron de ce côté. Il est sur votre carte? Ouais. Alors, il est aussi sur la carte de Vasquez. Venez. Si Vasquez est là, quelle serait votre stratégie? Bon, grâce aux traces, on sait qu'il est pas seul. Ouais, quel traitement vous réservez aux déserteurs? La mort par pendaison. Pourquoi? Ben, ça veut dire que Vasquez se rendra pas sans résister. Vous voyez votre homme? Ouais, c'est lui. Oh, vous devriez penser à vérifier le CV de vos recrues parce que ce type-là a l'air chez lui ici, je me trompe? On attend ici. Je demande des renforts par radio. Enlevez vos sales pattes de là! Oh, 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 c'est une sauvage celle-là! Elle vous plaît? C'est ce qu'on va voir! Quoi? Hey, j'ai un problème avec les connards qui s'en prennent aux femmes sans défense. Je vous ai donné un ordre. Un ordre? Je porte un brassard rouge, là. Vous avez aucun droit de me donner des ordres pour l'instant, je fais ce que je veux. La cabane est bien barricadée. Qu'est-ce que tu fais là? T'as dit que tu voulais nous rejoindre?
c'était tout. Espèce d'enfoiré! Ah ouais! Tu me préviens! Tu me fais trop rire! Je suis sérieuse. Venez de se condamner. Restez derrière moi et couvrez-moi au besoin. Merci du cadeau. Plus beaucoup de munitions. Oh putain, et merde! Ok, je m'en charge. Attrape! S'occuper de votre homme. Vasquez, c'est plus un de mes hommes. Bon, attendez-moi là et montez la garde au cas où on en aurait oublié. Vous pouvez le gérer seul ? Il va pas comprendre ce qui lui arrive.
Je vais t'étouffer de mes propres mains. On est là pour ça, non? Allez, vas-y. Ouais, c'est bien ça. Je peux passer par là. Hey, oh, arrêtez, je vais pas vous... Je viens juste pour vous aider. J'ai pas besoin de ton aide, du con. Ok. Je vais juste me décaler par là. M'approchez pas, putain! Du calme, on n'est pas avec eux. J'en ai rien à foutre de qui vous êtes! Ok. Ok. On a ramené vos motos, capitaine, pour vous éviter un voyage. Repos, caporal. Alors, j'ai passé le test. J'ai réussi. Le test? Vous m'avez observé toute la journée, je me suis dit que c'était quoi, un genre de test? Non, rien d'aussi formel que ça. Comme vous pouvez voir, nos effectifs sont plus vraiment ce qu'ils étaient. Ouais. Mais ouais, test réussi. Alors, prêt à rencontrer le colonel? Ouais, bien sûr. Ça se refuse pas. Moi, Saint John, vous vous avez servi avant que tout dégénère. Vous savez reconnaître une position ennemie, vous maîtrisez les tactiques d'approche à couvert. Alors, vous vous avez servi chez les Marines, dans l'armée. Ouais. C'est juste que j'essaye de pas trop en parler. La première année dans le No Man's Land, on aurait dit que tous les anciens soldats avaient une cible sur le front. J'étais dans l'armée. La division de montagne, j'étais en poste en Afghanistan. Et vous? Les anciens militaires ont... un certain maintien. Aucun de vos troupions, ça. Et vous aussi? Comme je disais, vous avez l'œil. J'ai servi 10 ans dans l'Air Force. Je faisais partie du sac. Y a pas de silo à missiles en Oregon. Croyez-le ou non, j'étais en vacances. J'ai eu de la chance. Avant que les communications soient coupées, je recevais des rapports toutes les heures. Trouvez que c'est l'enfer ici. Les zones à l'est du Mississippi sont tombées en moins de 2 jours. Vous connaissez bien la région? Ouais. J'ai grandi dans une ville au nord d'ici. Farewell, vous connaissez? Non. Mais c'est un endroit bien nommé pour survivre à l'apocalypse. Ouais, n'en parlez pas. Donc vous êtes déjà venu ici? Ouais, ça m'est arrivé. Il y a plusieurs étés avec ma régulière, enfin, ma femme. On s'est arrêté là pour notre lune de miel. Vous avez une photo? De votre femme, je veux dire. Elle s'appelait Carrie. On a été mariés depuis 12 ans quand... Bref, c'était il y a une éternité.
Tu sais, à mon humble avis, on n'a pas le droit d'entrer. Ah non, 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 ça c'est pas pour nous, ça. Pourquoi? Parce qu'on sait pas lire? Parce que la loi, on en a rien à carrer. Oh, parle pour toi, la femme. Après toi. D'accord. Tu sais, c'est pas très chevaleresque de faire de moi ta complice. Cheval quoi? Ça veut dire... Ouais. Je me ferai toujours avoir. Encore désolé. La vache, si t'avais vu la tête que t'as faite. Ça, ça devait valoir le détour. Clairement, si j'avais eu un portable, je t'aurais prise en photo. Pour une fois, je me félicite que t'en aies pas. Oh, hey, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Hé, hey, j'ai rien dit, c'est toi qui viens d'en parler. Tu viens de le faire. Alors, où on va? Suis le sentier, tu verras. C'est pas loin. Je me demande ce que dirait ma mère si elle apprenait que je balade en pleine nuit au beau milieu de nulle part avec un hors-la-loi. Je sais pas. Bon, ça prend une petite laine, ma chérie. Très drôle. Tu sais, moi, je pense qu'elle dirait rien. Tu voulais garder notre histoire secrète, tu te souviens? Oh, arrête, déconne. J'ai dit ça il y a un bail. Tu sais que je le pensais pas. Hé, hey, je dis ça, mais je te jette pas la pierre. Je veux dire, je l'ai pas dit à mon vieux. Oh, c'est parce que ton père est mort. C'est pas faux, il y a peut-être un rapport. La grande question, c'est... Est-ce que tu l'as dit au gars du MC? Que tu sortais avec une fille de Seattle, bien sous tout rapport, plutôt qu'une stripteaseuse. Hé, hey, une seconde. Primo, on passe pas notre temps dans des bars à strip. On a un abonnement à vie, c'est vrai, mais on y passe pas notre vie. Et deux UO, eh ben, je leur ai dit. Quoi? Tu leur as dit? Bah ouais. Oh, allez, sois pas si surprise. Ils ont trouvé ton doctorat ultra sexy. C'est ça, oui. Tu sais que ça fait longtemps que je devrais être couchée. Oh, ça, je sais. Oh, allez, arrête. Je dois vraiment me lever tôt demain. Ah oui? Et comment ça se passe? Comme t'as jamais envie d'en parler, je me demande. Ah, c'est rien. C'est seulement un projet. On a des huiles qui viennent de New York pour évaluer nos progrès. Et les ronds de cuir du centre ont décidé d'installer un nouveau labo sans me consulter, sans oublier que... Moi qui croyais que tu voulais pas en parler. Désolée, c'est juste que... Tu sais quoi? C'est rien. En tout cas, merci de me permettre de m'évader un peu. Ouais, pas de soucis. Attends, 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 attends. C'est une plantation d'herbe? C'est ça que tu voulais me montrer? Quoi? Ce sont des plants de cannabis et il y a un système d'irrigation. Je conclus que c'est une plantation d'herbe. Ah, mais oui, t'as vu ça? Une plantation d'herbe. Tu m'as traîné dans la cambrousse au beau milieu de la nuit pour me montrer les plantations de cannabis du MC. Ouais, bon, tu m'as grillé. J'espérais que tu pourrais nous donner quelques tuyaux sur la culture, histoire que ton doctorat serve à un truc utile pour une fois. Je te jure, Dicon. Ah, j'ai compris. C'est pas ça que tu voulais me montrer en vrai, c'est ça? Bien sûr que non. Allez, continue le sentier, on y est presque. Oh, j'apprendrai jamais. J'ai beau essayer, je me fais avoir à chaque fois. Eh ouais. Waouh. Regarde-moi ce clair de lune. C'est magnifique. Continue. On y est presque. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si toutes les lumières de la Terre s'éteignaient et que tout le monde pouvait voir le monde comme ça? C'est-à-dire sombre, lugubre et déprimant? Je pensais à la lune, aux fleurs sauvages et aux lucioles. Ah, ouais, je vois. C'était encore une balle.
Tu prends rien au sérieux. Au contraire, je prends tout au sérieux. C'est ça. Je te jure. Non, c'est comme la fois où j'ai suggéré d'emmener quelques-unes de mes affaires chez toi et que t'as fait comme si je plaisantais. Non, non, c'est pas vrai. J'ai fait comme si je t'avais pas entendu. Nuance. Si t'avais vu la tête que t'as faite. Et tu sais, moi j'ai un portable. J'ai immortalisé ce moment. Tu veux voir? Mais t'es une scientifique. On peut en discuter de façon rationnelle. Ok, tout ce que j'ai dit, c'est qu'on devrait songer à emménager ensemble. On serait plus souvent tous les deux et puis on pourrait passer à la vitesse supérieure. Je vois pas ce qu'il y a d'irrationnel là-dedans. Ma brosse à dents est chez toi. Oh, désolé, t'as raison. C'est une belle preuve d'engagement de ta part. Quand même. Tu sais combien ça coûte, une bonne brosse à dents? Tiens, tu vois? Chaque fois que j'essaie de parler de l'avenir, tu prends ça au second degré. Bon, d'accord, c'est vrai. Il faut qu'on en parle. Et on le fera. Mais attends une seconde, je veux te montrer un truc. Ok? Regarde. C'est pour ça que je t'ai mis ici. C'est magnifique. Ça valait le coup. Oh que oui. Je voudrais te demander quelque chose. Ouais. Ticone. Veux-tu... Voudrais-je? Est-ce que tu veux... Alors, c'est oui? À deux conditions. J'écoute. Ok, alors la première, c'est qu'on n'est pas un de ces mariages de bikers où tu promets de me monter aussi souvent que ta moto. Ok, de toute façon, c'est pas tenable. Oh, arrête. Bon, et la deuxième condition, que tu promettes de jamais me quitter. Ça marche. Je rêve, tu m'as passé ta bague de motard au doigt. Tu sais quoi? C'est bien possible, oui. Regarde-là. Il est trop mignon à mordre la chaîne. Avec ses petites canines. Tu sais, il n'y a rien de plus romantique qu'un... crâne de chien. Crâne de chien. Hé, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Tiens donc, il me semblait que tu parlais latin. Oh, allez. Alors, ça dit... Morior invictus. Mm-hmm. La mort avant la défaite. Waouh, la grande classe. Mais tu vas quand même m'offrir une alliance, pas vrai? C'est pas que j'aime pas celle-là, hein. Oui, bien sûr, parce que, en fait, c'est ma bague, du coup, tu peux oui, pas... Oui, c'est ta bague. Tu peux pas la garder. Trouve un truc plus simple. Sans les canines. Ok. Très bien. Oh, fais chier, désolé. Bon, non, c'est rien. Je dois décrocher, c'est le labo. Ok. Allô? Oui? Non, non, c'est bon, j'arrive tout de suite. Ok, au revoir. Tout va bien, Sarah? Je sais pas, ils ont besoin de moi sur place. Il faut que je file. Là maintenant, au milieu de la nuit? Désolée, je dois y aller. Mais je te promets de me rattraper. Ok. Viens. Ma femme s'appelait... Bess. Non, j'ai pas de photo. On y va. Qu'est-ce que t'as fait tomber?
C'est assez commun, vous savez. Hein? Qu'est-ce que vous dites? De ne pas avoir de photos. De votre femme, de votre famille. Pourquoi vous dites ça? À l'époque, tout le monde avait un smartphone. C'est là qu'on stockait toutes nos photos. Et quand les téléphones ont disparu, quand le cloud a disparu, nos photos ont disparu aussi. Ouais, j'y avais pas pensé. Ma femme, Clary, son père était photographe à l'ancienne. Chambre noire, révélateur, la totale. Il devait être un peu trop têtu pour se mettre au numérique. Sans lui, il ne resterait plus aucune photo. Moi, j'avais horreur de ça. Les portables. C'est comme si les gens étaient incapables de lever le nez de leur téléphone. Toujours refusé d'en avoir un. Intéressant. Mais comment vous faisiez? C'était mécano. J'avais mon propre garage. Je devais avoir le dernier téléphone fixe de tout Farewell. Ça me fait un truc pas de neuf. Vous prenez les choses au sérieux par ici. Le colonel est sûr qu'avec de la motivation et de la discipline, tout est possible. Allez, mène ton cul! Je vais aussi vite que je peux! Dépêche-toi! C'est ça, la motivation pour vous? Le colonel a créé un camp de travail au sud de l'île, pour les inaptes au service. Certains d'entre eux ont besoin de plus d'encouragement. Je vois le genre. Allez, suivez-moi. Chef, oui, chef. Rejoignez les autres. Bonne chance, Saint-Jean. Vous vous êtes fait choper aussi? On s'en fout. Hé, hey, mec! Ça fait plaisir de te revoir. Saint-Jean, c'est ça, le fils du prêcheur? Alors, c'est quoi cette histoire de prêcheur que tu rabâches? Hé, hey, relax, je déconne. Tu l'as retrouvé? Quoi? La meuf que tu cherchais, celle qui voyageait avec toi. Non. Allez, mettez tous vos bijoux, montres et merde du genre, dans le sac, quoi? Là. Ok, mec, comme tu veux. C'est quoi, ce délire? Les recrues ont pas le droit aux effets personnels. Quelqu'un finira par les faucher, de toute façon. Allez, à boule. C'est ça, quelqu'un finira par les faucher. La merde, ouais. Garde à vous! Repos. Les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Si vous êtes là, c'est qu'on vous a invité, que l'un de mes lieutenants vous a recruté. Quand vous me répondrez, commencez par vous présenter, compris? Nom de famille en premier. Je me démerde, comme tout le monde. Votre nom? Putain. Atkins. Crystal. Chef. Combien d'hommes avez-vous tué? Avant ou après? Répondez à la question. Va te faire foutre! Nous avons tous dû commettre des actes répréhensibles. Quoi? Pour survivre. Restez en vie. Le Seigneur Tout-Puissant le comprend. Là-dessus, il ferme Amen. Les yeux. Ouais, ouais. Mais ici même... Sur le visage de cette femme, je reconnais l'œuvre du malin. Des tatouages de prison. La preuve de ce que vous étiez et êtes sans doute encore. C'est à cause de gens comme elle que le Seigneur Tout-Puissant s'est résigné à abattre sur nos têtes son redoutable courroux. Emmenez-la au camp de travail. Quoi? Je vous emmerde! Allez tous vous faire foutre! Enfoiré nazi! Allez, beauté. Lâchez-moi, en avant. Connard! Je jure que... Bougez. Lâchez-moi! Pourquoi pas? Passons lui à vous. Il a des tatouages aussi. Taylor. Wade. Et, non. Chef. Non, je suis jamais allé en prison. J'ai jamais tué personne, rien de tout ça. Vous avez vécu dans le No Man's Land? Oui, enfin, je... Je sais me servir d'une arme. Mon paternel m'emmenait chasser quand j'étais gamin.
dans un campement près de Camas Falls, c'était. Et vous, fiston, vous savez manier une arme? Saint John, Deacon, oui, je sais manier une arme. Vous êtes un drifter. Tendez votre bras droit. La division de montagne, Irak. Afghanistan. Service honorable, ne mentez pas, je le saurai. Détaché une fois, servi avec honneur, j'en ai détesté chaque minute. Oui, tu ne mentiras point. C'est bien. Levez la main droite. Jurez-vous solennellement de soutenir et défendre la nouvelle Constitution des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis, naturels ou non naturels, de participer à son application concrète et d'obéir à tous les ordres sans hésitation. Le jurez-vous en votre âme et conscience? Je le jure. Disposez. Suivez-moi, fiston. Soldat, quoi de neuf? Le capitaine Coury me recommande peu de recrues ces derniers temps. Vous avez dû l'impressionner. Alors, j'ai passé un bon bout de temps dans le No Man's Land. Vous savez gérer les mutants? Oui, colonel. J'en sais autant que les autres. Bien, bien. Entrez. Le doc va vous ausculter. Le pouls est fort, cœur normal. Vous avez une vilaine brûlure, comment c'est arrivé? J'ai eu un souci avec un poêle à bois. Un poêle à bois, hein? Qui a soigné ça? Moi. Non, c'est pas mal. Pas mal du tout. Merci. Gardez les bandages ou vous risquez de perdre le bras. C'est compris, amigo? Ouais, compris. Revenez me voir pour un examen dans quelques jours. Ça roule. Alors, Doc? Oh, il est apte au service. Lo hará bien. Vous sortez dans le No Man's Land? Je regrette, Doc. Ya tiene novia. Il a été recommandé. Laissez-moi deviner. La sorcière de Wizard Island? Vaya con Dios. Bonne chance, amigo. Allons-y, fiston. D'ordinaire, je ne tolère aucune insubordination, comme traiter un officier de sorcière. Mais je fais une exception avec les officiers les plus excentriques. Si je fais des exceptions, c'est parce que chaque homme et femme encore en vie a un rôle à jouer. Vous croyez en Dieu, Saint John? J'y ai jamais vraiment réfléchi, colonel. Eh bien, je vous suggère de vous y mettre. Il a un plan pour nous, pour chacun de nous. Et mon rôle, c'est tout ceci. C'est-à-dire? Cet endroit, j'ai eu une vision. Oh, rien d'aussi grandiose que dans l'Ancien Testament. Pas de chariot enflammé ou de buisson ardent. Je me suis simplement réveillé un matin, avant que la colère divine s'abatte sur la terre, et j'ai su que c'était ici. Crater Lake, Wizard Island? Je la surnomme l'Arche. Vous connaissez l'histoire de l'Arche de Noé? Ouais. Enfin, oui, colonel. Tout le monde connaît. En effet, vous seriez surpris de savoir à quel point peu de gens ont lu la Bible ou le livre de la Révélation. Vous voulez lire la Genèse, pour l'histoire de Noé? Enfin, je veux dire, c'est le livre de la Genèse, colonel. Oui, bien entendu. Bon, on va vous trouver de l'équipement. D'accord, ça me va. Ok. Je dois bien admettre qu'en termes d'uniforme, on n'a pas grand-chose, mais... je pense qu'on devrait... Ah! Tenez. Essayez ça. Elle me va, on dirait.
je vous débarrasse. Si ça vous embête pas, c'est un cadeau d'un vieil ami. Un vieil ami ? Une denrée particulièrement rare ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Très bien, soldat. Mais je ne veux pas l'avoir sur votre tête. Vous êtes des nôtres, maintenant. D'ordinaire, les nouvelles recrues commencent au rang de seconde classe. Cependant, le capitaine Coury s'est porté garant de votre expérience sur le terrain. Vous commencez donc directement au rang de caporal. Félicitations, fiston. Merci, chef. Bien, je vais vous trouver de quoi faire. Bien, où en étais-je ? Vous me parliez de l'Arche, colonel. Ah oui, l'Arche. Vous n'en voyez qu'une infime partie. Derrière nous s'étend un vaste réseau de grottes et de galeries qui montent jusqu'au sommet. Lorsque nous en aurons fini, elles seront remplies de graines, de plantes, de fichiers informatiques et de livres. Le monde pourra bien s'éteindre, les progrès de la médecine, de la science et de la technologie ne disparaîtront pas avec lui. Non, colonel. Mais cette île est bien plus qu'une arche, caporal. C'est un bastion, une forteresse. Ici, à la porte nord, nous stockons assez de munitions pour attaquer les mutants. Nous avons des fusils, des grenades, des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes. Nous avons même de quoi fabriquer n'importe quel type de munitions. Voici le département de génie mécanique. Si vous avez besoin de faire réparer votre moto, demandez à l'officier de garde. Et comme vous pouvez le voir, grâce à feu la garde nationale, nous créons un véritable parc automobile. Quand les hordes ne bloqueront plus les autoroutes, nous pourrons rebâtir les ponts et les routes. Votre politique de la terre brûlée passe pour les têtards ou les grouilleurs, mais vous nettoierez jamais l'autoroute comme ça. Ça arrêtera pas les hordes, colonel. Nous le savons, caporal. Les hordes sont à traiter comme une bête à part. Mais nous avons un plan. Un plan ? Comme le disait Benjamin Franklin, en omettant de vous préparez à l'échec. Nous n'échouerons pas. Le cœur de mes troupes réside ici, aux portes, parés à prendre les armes. Ces tentes abritent des centaines d'hommes et de femmes. Comme vous, ils jurent de servir loyalement notre cause. Mais j'ai autre chose en tête pour vous. Une tâche qui requiert plus que la seule capacité à survivre dans le No Man's Land ou à se servir d'une arme. Vous vous sentez d'attaque, fiston ? Oui, colonel, je suis à vos ordres. Vous vous demandiez comment nous comptons vaincre la Horde. Je vais vous montrer. Oh ah ! Merde ! Tout va bien, lieutenant ? Bonjour, colonel. Désolé pour le bruit, j'ai eu la main trop lourde sur l'acétone. Lieutenant Weaver, notre ingénieur en produits chimiques, il cherche de nouvelles façons de faire péter des trucs, de vaincre nos ennemis. Désolé, mais oui. Je m'appelle Weaver, James. Saint John, Deacon. Tous ces trucs de la milice là, c'est juste pour l'image, pas vrai, colonel ? Le caporal Saint John intègre l'unité de Coury. S'il vous faut quoi que ce soit dans le No Man's Land, n'hésitez pas. Ouais, super. Venez voir, j'ai besoin de quelques trucs. Vous bossez sur quoi ? Oh, juste un agent gélifiant à base d'acide naphtinique et palmitique. Vous fabriquez du napalm ? Ouais. Ouais ! Ce mec s'y connaît ! Oh, j'ai eu un coup de bol. Navré de vous interrompre. Oh, pas de problème. Hé, colonel ! Je touche au but, colonel. C'est presque prêt. Parfait. Excellente nouvelle. La prochaine étape ? La sorcière de Wizard Island ? Ce sera tout, lieutenant. Une fois encore, excusez mes officiers les plus excentriques. C'est rien, colonel. Un dernier arrêt.
Bien que j'accorde une grande importance aux travaux du lieutenant Weaver, ce que vous allez voir nous mènera, à mon sens, à la victoire. Entrez. Bon, qu'est-ce que c'est ? Madame. Ça ressemble à de l'adoucissant pour vous ? Non, madame. Ok, lisez-moi l'étiquette. Agent actif, chloroforme et terpine. Dehors. Dehors. Matt, comment veux-tu que j'y arrive si je dois m'occuper moi-même du ravitaillement ? Je vais m'en occuper. Lieutenant Whittaker, je vous présente le caporal St. John. Il vient d'intégrer l'unité de Coury. Il a de l'expérience dans le No Man's Land. Lisez ça. Quoi ? Lisez ça. Vous savez lire, pas vrai ? Agent actif, chloroforme, terpinéol A, alcoobenzélique, éthylène acétate. Ça ira. Il commence quand ? Je vous laisse gérer. Continuez, lieutenant. Laissez-nous. Garde à vous, soldat. Sarah, je... Stop. J'arrivais pas à te trouver. Je croyais que t'étais morte et je... Non. On a été envahis et... on a dû partir au sud. Le Nero a dit que personne n'avait survécu. Fairwell était infesté. Ils ont dit que tout le monde avait été tué. J'avais abandonné tout espoir de te revoir. Hé, écoute-moi. On peut se tirer d'ici, partir dans une direction sans se retourner. Allez, viens. Non. Non, Deacon. Je peux pas. C'est eux, ils te forcent à rester ? Non, tu réalises pas. On est en pleine guerre, là. Tu le vois pas ? Et cette guerre, on peut la gagner. Je suis pas venu là pour faire la guerre. Ici, je suis utile. Je peux faire la différence, mais je peux pas partir avec toi. Je dois rester ici. Tu comprends, tu peux rester ici avec moi et m'aider.